Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Galden pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre découverte sur Bulletchway dans le deuxième secteur. On s'en était plutôt bien tiré face à un gros événement. On avait beaucoup de combats d'affilée. On a récupéré plein de sous. On a un vaisseau qui n'est même pas cassé, donc on va pouvoir facilement aller chercher. Et pour arrêter en plus, tac, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. 225, je vais garder les sous qui me restent. Et je vais garder les sous qui me restent. Mais quand même, c'est plutôt pas mal. J'ai une station juste derrière. C'est très bien. J'ai encore besoin de détruire un vaisseau ancré. Il va falloir que je le cherche. Je peux me démarrer à la station. Qu'est-ce que tu me proposes? Un canon à ion pété. Ah, je l'ai pas ici. Kotor. Ça, c'est un truc de piratage, mais à la place du bouclier, je suis pas sûr que j'ai très envie. Tir d'artillerie, bof. Cerber, c'est à la place du bouclier. Et canon à ion. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Un truc de soute. Oh, c'est bien ça. Un emplacement de cartes en plus. Salle des machines, mais j'ai qu'une soute. De l'unité à chaque fois que. Oui, c'est la soute aussi. Canon électrique. J'ai pas. Autocolle défensive. Générateur de. Si votre vaisseau est exposé, réduit le coût en énergie des cartes boucliers de cet équipement à 2. Si votre vaisseau est protégé, augmente le coût en énergie de 1. Ah ouais, c'est plutôt sympa pour économiser de l'énergie. J'aime bien. J'aime bien. Ça j'aurais préféré, mais j'ai pas de salle des machines. Ça doit être sur un autre type de vaisseau. Mais je vais prendre le générateur de bouclier. Qui sera très bien pour dépenser moins d'énergie sur les boucliers et donc plus d'énergie sur les lasers. Qu'est-ce que je vais virer? Là j'ai des sous, je vais me virer des cartes. Qu'est-ce que j'aime pas? Les gars qui seraient moins bien. Infrarouge, elle est quand même pas terrible. Je sais pas si c'est. Est-ce que c'est plus si l'adversaire en surchauffe? Pratiquement. J'arrive pas bien à jouer sur la surchauffe. Mais le laser est pas mal, en fait. Ici, je vais rester avec ce que j'ai là. Que je vais jeter. Je vais gérer la. Je vais jeter la pulsion infrarouge. J'aimerais bien un truc ici. Mais j'ai pas. Donc maintenant du visuel. Supprimer une carte. Alors je voudrais supprimer celle-ci. Remove. Déjà ça. On quitte la station. Bien. Chercher le combat d'élite suivant. Ah non, sinon je l'évite.
chercher celui-là ici. J'ai quoi? J'ai 4 points de carburant. Je suis au max en morale, c'est très bien. Déchirure. Hop. Assaut téméraire, ok, donc ça va jouer. Shields up, Captain. Si je vais le garder. Et exploiter au prochain tour. Vu la dissipation de chaleur de. Ah, fuite de liquide de refroidissement. D'accord. Supprimer une chaleur au début du tour. C'est pas très grave. Enemy shields down. Et donc, il a fait deux attaques. Et on va lui péter son prix également. Et au prochain tour. Je peux continuer. Ah oui, ça me coûte 0 là. Ah ouais. Boum. Dans la pioche. Elle est nulle là pour comprendre. Je vais pas me prendre d'attaque, ça tombe bien. Ça me fera prochain tour. Puis impulsion double. Donc il lui reste un PV quoi. C'est normal. J'ai tout ce qui joue en énergie. Allez. On va se protéger.
Ça me fera encore dépenser des points de carburant. Donc, je préférerais aller lire. C'est que du que de l'attaque. Ok. Je vais pas me prendre une cartouche. Sauf si je fais ça. You are now shielded. Bim. Là, on va faire tac. La petite salle de barrage qui va bien. Ah dommage, 7 points de dégâts. Et bah. Alors là je vais péter son double canon. Alors plus sur le gland, ce sera au prochain tour. Répéteur anti-missile, je vais la défausser. Légère, dégâts maximum d'artillerie plus 1. Ok. J'ai trop d'énergie, pas assez d'attaque. Si c'est 2, 8, c'est bon. Et tout casse. Et tout détruit. Ça réduit de 3 puisque mon palier est de 3. Pourquoi pas, comme ça chauffe un peu trop. Une plutôt bonne carte. Hop. Allez, on va pouvoir terminer notre mission comme ça. Il recherche son lanceur sur chauffe calculé. C'est la cartouche ardente pour 4 tours. Et défense anti-missile. Je le fais et je génère de chaleur. Très bien. We were hacked. Pourquoi est-ce qu'il m'a hacké? Ouais, j'ai récupéré mon impulsion d'oubli donc. Ah oui, ça coûte 4 quand même. Et si je fais...
celle-ci est gratos en plus. Allez. C'est un peu gâché, du coup, j'ai pas eu le plus en point de dégâts. Mais bon. Je vais pas bouder mon plaisir de pouvoir lui esmater la tronche. Missile de feu stellaire. Donc il va avoir trois attaques à un moment ou à un autre. Shields up, Captain. Là, c'est parce que je m'étais fait hacker, mais tant pis. De défense. Est-ce que j'ai des cartes? J'ai assez peu de cartes attaque. Mais je pourrais avoir ça comme carte attaque. Shielding enhanced, Captain. On augmente notre bouclier. J'ai bien fait. We were hacked. Ah, c'était ça que j'avais tout à l'heure. C'est bon, je le pète avec ça. Bim. Ah, récupération, c'est cool ça. Impulsion éclair, non, ça m'intéresse pas ton impulsion éclair. C'est ce que tu me proposes à chaque fois. Rush loot. Une fois la zone de combat sécurisée, vous transmettez un message laser à la base Solari de la région pour les informer que le contrat a été bien rempli. Quelques heures plus tard, leur réponse arrive. Parvient à votre vaisseau. Vous avez agi avec honneur, capitaine. Vos états de service ne sont pas sans défaut, mais la reconnaissance vient avec le travail aujourd'hui. Vous avez prouvé que nous avions eu raison de vous faire confiance. Relation avec le Solari plus 1 et 150 crédits. Et très clairement, c'était ça qu'il fallait que je booste et que je n'ai pas fait, et c'était un peu con. J'ai jamais de problème, par contre, normalement. En fait, je suis un peu light. Ceci dit, j'ai encore 225. Ben on va avancer ici. Hein. Forage. Ah, ça va jouer sur la chaleur là. Ça fait quoi ? Ça, ça n'a rien fait. Les deux cartes laser sont encore là où elles étaient. Là, pas complet.
Ah oui, d'accord, c'est une attaque en continu, ça. J'imagine que si je pète ça, ça le stop. Anti-missile. Ça, hop. Bim. Je vais perdre 4 énergies à la fin, mais... Hop. Là, j'ai pas mal d'attaques. Et du coup, j'ai pas assez d'énergie. Parce que 3 et 2, 5 et 1, 6. Et j'en ai 4. Allez, c'est pas grave. Je vais utiliser ça. 3 et 3, 6 et 3, 9 et 4, 13. J'ai juste ce qu'il faut en rouge. Je vais m'en avoir trop parce que je vais jouer ça d'abord. Ah zut, c'était ça qu'il fallait jouer. Hop. Ouf, d'accord. Tac, un petit. Un petit comme ça, un petit comme ça. Et... Macération. Ah, inflige 6 points de dégâts, génère un point de. Cette inflige des dégâts à la coque réduit votre embrasement de 1 ce tour-ci. Bon, écoute. Allez, go. Du coup, mon vaisseau est full au niveau des cartes. Alors là, je peux aller me réparer un peu. Je vais aller chercher cette station-là, en fait. Ah. Bon. C'est un point de carburant pour récupérer un point de carburant. Soit. Hop, tu me donnes un point ici, moi je vais pas y aller mon petit coco, t'es un peu loin. Hop, préparez vos combats. Ils font des drôles de trucs avec leur truc en dessous là. Un puissant laser, balayage de faisceau, c'est un peu comme, comme moi. Un truc qui restaure par équipement détruit, d'accord. D'accord, donc à chaque fois que je détruis des équipements, ça leur force. Bien. Donc il ne va pas avoir de missiles, ça veut dire. Je peux faire ça. Petite barrière, je peux lui faire chauffer un peu les fesses. Thank you.
et on va se garder mon impulsion de catalyseur pour faire ça avec d'autres armes. Aïe. Mais ça fait mal la vache. Ah merde, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc ça défausse mes cartes que j'ai en main. Mes cartes attaque que j'ai en main, ça m'y remet dans la pioche. Et ça me permet de regagner de l'énergie. Ouais, c'est assez rare. C'est facile, enfin, c'est un bon moyen de récupérer de l'énergie, mais... Et en échange que tu peux plus perdre d'attaque, quoi. Et que je vais en prendre plein les fouilles. Bim. Ça, je pense que sur l'énergie, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Ah, puis elle va me balancer une torpille en plus, tant qu'à faire. Qui arrivera dans deux tours. Alors... C'est ma troisième attaque, donc elle va faire coup double. Je fais 14 d'un coup. Je lui défonce ça. Et puis je les ai. Allez. Hop. 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 Voilà. J'ai plus de cartes à rajouter. Donc, skip. Skip le kangourou. Et bien on va se réparer. On va aller picoler un petit coup. Pas de bol. Ah si, j'ai un point d'emport d'utilité. Ah, je peux mettre une autre soute. Ok. Ça, je vais le revendre. Ça aussi. On va réparer, hein, parce que bon... Tout ou celle des machines. Ben, hop. C'est quoi ça? C'est. Ajoute un plan en emplacement de carte, c'est top ça. Mais ça coûte 120. Ah merde, j'ai pas assez. J'ai pas assez. Je peux pas prendre les deux. Punition, ça fait quoi? 3, 4, d'accord. Il me reste 100. Crédit pour aller chatouiller le boss suivant. Je vais pas racheter. Est-ce que je me débarrasse de cartes? La manœuvre offensive, j'ai presque envie de la virer. Je suis rarement vraiment en manque de ressources. C'est plutôt en manque de cartes en général. Allez. Et j'ai débloqué
du coup un nouveau vaisseau. Alors que vous approchez la sortie du secteur, vos radars détectent la présence d'un gigantesque vaisseau en position de combat. Le secteur est fermé, tout vaisseau essayant de le quitter sera détruit. Attachez vos ceintures, on dirait qu'il va pouvoir partir sans se battre. Comme c'est original. Ouf, dans 5 modules. Détruit si l'équipement parent est détruit. D'accord, si j'arrive à faire 60 points de dégâts ici, j'arrive à détruire le vaisseau. Ok. Défense antimissile. Inflige 3 points de dégâts de plus. 3 points de supplément pour chaque attaque que l'ennemi s'apprête à jouer. Faisceau de torche, on a vu, ça a duré 3 tours, torpille, et octroi 4, et octroi, et 1 de protection par adapte. Ok. C'est particulier. 3, 3, 6, 3, 9. Je vais choper ça. Go. 4 d'énergie, j'en ai pas besoin. Surcharge d'armement, je vais m'en débarrasser. Et puis bah là on va essayer de péter son centre de commandement, hein. J'ai rien pour me protéger. Moi j'ai pris de la chaleur, je comprends. Shields up, Captain. C'est détruit. Réduit le rechargement au fil d'un tour. Ok. Donc ça veut dire que le prochain tour il va être archi blindé. Là, on va dissiper la chaleur. On va se coller une barrière chargée. Ah, les dégâts d'artillerie sont plus importants. Avec ça, tirer mon répéteur anti-missile. Non, je vais pas prendre de dégâts là. Incoming missile. Par contre, lui maintenant il commence à être blindé. Ah, si, il a quand même fait pium. Alors, on fait sauter. Enemy missile intercepted. 6. Réussi à ne perdre qu'un seul point de dégâts. Ah non. Il y avait encore le faisceau de torche. Shields up, Captain. Refroidissement, ça va. Ça, ça me colle de l'embrasement. J'en aurai peut-être besoin au prochain tour. Je vais jouer ça.
Je vais choper mes trois petits pium. Hop. On va lui péter son bouclier. Là, je vais me rajouter 50%. Enemy shields down. Hop. Les conditions de roisement des attaques adverses de type laser sont réduites de 1. Parce que je l'ai carbonisé. Pourquoi il est carbonisé? Je sais pas. Mais il est carbonisé. We were hacked. Défense mirror, cela devait être protéger les pailles. Ajoute deux boucliers chaque fois que l'ennemi joue une carte bouclier. Oh putain, il y a toujours du bouclier quoi. À chaque fois que l'ennemi joue une carte bouclier. Ouais bon, en gros, faut que j'évite de mettre des boucliers, ça tombe bien, j'en ai pas. Ça tombe bien, lui à ce tour-ci, il peut pas trop m'attaquer. Alors, on va se... on va se refroidir. Attends, on va attendre la fin du tour. Avec ça, je fais l'embrasement, pulsion aveuglante, lacération. Alors là, j'ai mes trois attaques de rechargement. J'ai combien? J'ai 7 d'énergie, donc je vais jouer ça de toute façon. Et on va être parti, on va faire... hop. Hop. Enemy shields down. 9 de dégâts. Hop, parfait, et ça, la prochaine attaque fera moins mal, et je vais me refroidir, c'est très bien. Énormément de buff, ça va, pour l'instant, j'arrive à gérer à peu près. Déclaration pour toute la durée du combat. Ouf. L'autre perd en ce tour. Je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je vais prendre cher. Et je me garde mes attaques pour mon prochain tour. Incoming missile. Je vais pas utiliser ma sable de barrage, je vais la garder en dernier recours. J'ai besoin de plus d'énergie, c'est ça qui me fait défaut là. Je vais faire comme ça. Surcharge d'armement, très clairement j'en ai pas besoin. J'ai quoi? J'ai 4 points d'énergie. Comment je vais les utiliser? Yeah.
utiliser ça. On a 6 points de... Enemy shields down. Bon ça. Plus que 19. Je vais même pas regarder ce que je vais prendre comme dégâts. Répétant anti-missile, c'est bien. Enemy missile intercepted. Comme ça, ça je défausse. Eh ben écoute, là je suis contre le boss du deuxième niveau. Et pour l'instant, je gère pas trop mal. Parce qu'en fait, il faut que j'arrive à défoncer cette zone-là, à laquelle il ne reste que 19 PV, pour faire péter le vaisseau en entier, puisqu'il y a un centre de commandement. Et j'arrive à tenir à peu près. Et pourtant, il est sacrément blindé. Disciple de points de chaleur. Et... J'ai un tout petit peu de mal à gérer mon énergie. Alors, si je joue ça, j'arrive à conserver mon verrouillage de la cible. Mais je perds le bénéfice, mais c'est pas très très grave. Chaleur. Non, je vais préférer garder ça. Pour gagner 2 points d'énergie, elf. Oh. Enemy shields down. Oh, moins 16. Waouh. La vache. Ouais, c'est pas fou. C'est pas faux, c'est vrai que ils auraient pu adapter les choses un peu autrement. Bon, là j'ai quand même pris tarif. Je vais faire baisser ma chaleur comme ça. Shields up, Captain. Avec ça et hop, je prends 6 et c'est tout. Ah là là. Ouais, mais bon, c'est des choses, c'est bon les choses. Aïe, ouais, j'ai plus que 14 PV quand même, il faudrait que ça se termine. Ça va peut-être bien se terminer là. Ah ouais, ça va clairement se terminer là. Hop, je vais faire une petite conservation qui va bien. Je fais ça là-dessus. Suivi de ça. Bim. Suivi de ça. Et c'est le GG. Ascension niveau 0 débloqué. Les ennemis d'élite commencent le combat avec GPV. Ah, et du coup, c'est une nouvelle partie directe. Eh oui, et c'est l'early access. Hui. Et ben. D'accord, donc il n'y a que 2 niveaux pour l'instant. Donc j'ai terminé. Donc niveau d'ascension. Les ennemis commencent avec le combat avec un modificateur. D'accord, ouais, bah c'est comme tout roguelike qui se respecte, hein. Deux trucs de plus en plus durs. Et j'ai toujours pas débloqué autre chose. 3 sur 5, 17 sur 30, 14 sur 20. 8 sous-systèmes, j'en suis très loin. Commencer avec plus de capacité pour débloquer, avoir au moins 7 de capacité. Ah ouais, d'accord. Faut focus... améliorer votre capacité 15 fois. Faut focus un type de réserve.
Et donc j'ai débloqué le lanceur. Entrer dans le deuxième système avec le maraudeur. Non. Alors c'est quand même assez rigolo parce que j'y suis pas arrivé. Ah si, verrouillé, pardon. Le Firebrand. Ce vaisseau de pointe excelle dans la gestion thermique. La chaleur qu'il génère accroît sa puissance d'attaque, tandis que son réacteur expérimental convertit la chaleur qu'il dissipe en ressources supplémentaires. C'est ça. Ok, et ben, ça sera pas pour ce soir. Mais on va certainement tester ça à un moment ou un autre. C'est quoi le niveau rayonnant? Donc 3 unités de chaque ressource ayant une production active lorsque vous dissipez l'équivalent de votre puissance de réacteur point de chaleur plus 2. Le coût d'amélioration du réacteur augmente de 25 à 40 par niveau. Wow. D'accord. Bon, qu'est-ce que ça donne? Merci à ceux qui ont suivi cette VOD. Tu peux dire au revoir à tout le monde. Enfin, vous pouvez dire, parce que je vois que. Non, peut-être que deux. Dans le chat. Et donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et donc, je rappelle, acheter Bridgeway pour, avec 32% de réduction. Avec notre partenaire Games Planet, pendant encore un certain nombre de jours, n'hésitez pas. Si le jeu vous plaît, et merci d'avance à vous de laisser des commentaires, des pouces et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.